Alléluia, amen, amen, alléluia, amen, alléluia, amen, amen. Oh, alléluia, amen, alléluia, amen, alléluia, amen, amen. Jésus est présent. Jésus est vivant. Amen. Alléluia, amen. Amen. Jésus est puissant. Il veut te parler. Alléluia, amen. Seigneur, nous bénisse richement. Levons-nous, s'il vous plaît, nous allons lire un psaume. Nous lisons dans le livre des psaumes au chapitre 100. Psaume chapitre 119. Psaume chapitre 119, nous commençons à partir du verset 33. Psaume chapitre 119, verset 33, nous lisons la parole du Seigneur. Enseigne-moi, Éternel, la voie de tes statuts, pour que je la retienne jusqu'à la fin. Donne-moi l'intelligence pour que je garde ta loi et que je l'observe de tout mon cœur. Conduis-moi dans le sentier de tes commandements, car je l'aime. Incline mon cœur vers tes préceptes et non vers le gain. Détourne mes yeux de la vue des choses vaines. Fais-moi vivre dans ta voie. Accomplis envers ton serviteur ta promesse qui est pour ceux qui te craignent. Éloigne de moi l'opprobre que je redoute, car tes jugements sont pleins de bonté. Voici, je désire pratiquer tes ordonnances. Fais-moi vivre dans ta justice. Amen. C'est encore l'ancien Saint-Esprit, et Satan ne peut l'approcher. C'est pourquoi les peuples le craignent, mais il est si bon pour moi. Donne-moi, oui, donne-moi l'ancien. Donne-moi l'ancien évangile, il est si bon. Pasteur, donne-moi. Apôtre, donne-moi. Oui, donne-moi l'ancien évangile, il est si bon. Apôtre, donne-moi. Oui, donne-moi l'ancien évangile, donne-moi l'ancien évangile. Si bon pour moi.
Nous voulons te dire merci de tout notre cœur, notre Père, parce que tu es là, nous sommes heureux, Père. Tu es réellement notre consolation, comme tu l'as dit aussi, mon très bien-aimé Père Saint-Dieu, que je ne vous laisserai pas orphelin, mais je vous enverrai le Consolateur, l'Esprit de vérité qui vous conduira dans toute la vérité. Tu es la vérité, notre Dieu. Et tu es toujours le même, mon bien-aimé Seigneur. Tu nous as pas laissé orphelins, mais tu as dit que je viendrai à vous. Louange et honneur à toi encore ce matin pour ta présence glorieuse, mon roi, au travers des chants et des cantiques, mon bien-aimé Père Saint. Merci encore pour tous les témoignages qui ont été rendus en cet endroit, pour ta gloire à toi, pour chaque cantique qui a été chanté, pour chaque inspiration, mon bien-aimé Seigneur. Nous t'en sommes vraiment reconnaissants. Nous te remercions, notre précieux frère Christian, que tu le bénisses vraiment, Père, que tu le soutiennes aussi, la bonne santé aussi, Père. Nous rendons gloire à ton nom pour ton amour et ta bonté, pour ce que tu fais parmi nous, Père, oh Dieu, pour la grâce que nous avons de pouvoir réellement être éclairés et conduits aussi par toi, Père. Merci pour chaque frère. Merci aussi pour chaque sœur. Merci pour chaque enfant, mon bien-aimé, Père, oh Dieu, parce que réellement, tu es le Dieu qui nous soutient, qui nous fortifie, qui pourvoit aussi pour tous nos besoins, mon bien-aimé, Père. Nous t'avons chanté, nous t'avons glorifié, mon bien-aimé, Père, oh Dieu. Nous te supplions, éternel notre Seigneur et notre Sauveur, d'être avec nous encore à cet instant, parce que nous entrons dans ta parole. Que toi, tu puisses vraiment nous aider, parce que nous ne sommes que des hommes. Tout homme infaillible, mon roi, je le suis, mon bien-aimé Père Saint, j'implore ta grâce, mon roi. Nous ne voulons que toi, nous voulons que d'entendre ta parole à toi, Père. Ôte ce qui est de l'âme, mais viens, mon bien-aimé Père Saint, oh Dieu, et prends le contrôle, mon bien-aimé Père Tibissant, de nos sentiments, nos émotions, nos pensées, mon bien-aimé Père, oh Dieu, nettoie, récure, enfin, que celle ta parole à toi soit donnée à ton peuple, Père. Nous sommes venus pour toi, nous sommes venus pour te servir, nous sommes venus pour que tu nous bénisses, que tu nous soutiennes, que tu nous fortifies, que tu nous relèves encore davantage, parce que tu es réellement notre soutien et notre secours. Sois béni et glorifié, Père. Merci pour tout ce que tu fais pour nos pères, car nous t'avons ainsi prié, au nom Saint de Christ. Amen. Que le Seigneur, notre Dieu, vous bénisse et qu'il vous fortifie. Vous pouvez vous asseoir. Nous comptons sur sa grâce tous les jours et nous nous appuyons sur lui, sur ses promesses, parce que nous savons qu'il est véritable et il est aussi le Dieu de sa parole. Nous nous réjouissons de ce que nous pouvons encore nous retrouver en ces jours et de trouver réellement grâce à ses yeux pour que nous puissions avoir le souffle de vie, comme Ézéchias pouvait le crier aussi de tout son cœur, alors qu'il devait donc s'en aller. Alors Dieu lui a accordé encore quelques temps. Il s'est écrit en disant, « les vivants, ce sont ceux-là qui te louent, ô Éternel, notre Seigneur. » Nous remercions vraiment notre Dieu pour chaque jour qui passe, pour chaque instant de notre vie, de ce qu'il nous soutient, il nous fortifie, et que réellement, que quand nous l'invoquons aussi, il entend nos prières, il nous exauce et qu'il pourvoit aussi à tous nos besoins. Il vient aussi à notre secours parce qu'il a dit qu'il est un secours qui ne manque jamais au temps de la détresse. Qu'il bénisse chacun de vous tous, tout ce qui est venu de loin comme de près. Et nous remercions Dieu pour tous nos frères et sœurs. Et nous sommes heureux parce que nous savons que nous avons beaucoup de frères et sœurs dans différents pays qui, cette heure-ci aussi, sont aussi en connexion, malgré les décalages horaires. Il y en a de ceux qui s'élèvent tellement très tôt. Et nous remercions Dieu pour cela. Que le Seigneur les bénisse et qu'il aussi pourvoie pour eux aussi. Et ce matin, nous nous réjouissons de ce que nous réalisons aussi, que chaque jour qui passe nous rapproche toujours aussi de la venue de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est à cela aussi que nous donnons encore davantage en ces jours, parce que nous avons cette promesse que le Seigneur, notre Dieu, nous a faite. Et nous devons aussi réaliser que le Seigneur, notre Dieu, lorsqu'il exprime sa parole, il a toujours une pensée qu'il a eu à pouvoir avoir pour exprimer cela, et il a toujours eu à pouvoir chercher aussi à ce qu'il a déclaré, peu importe les circonstances ou même les événements, mais que cela puisse s'accomplir certainement et exactement comme lui, il l'a donc déclaré.
Alors nous comprenons très bien que, comme l'apôtre Pierre pouvait le dire, que donc la parole de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ ne nécessite aucune interprétation particulière. Donc nous avons simplement besoin que l'auteur de la parole puisse lui-même nous accorder la grâce de pouvoir réellement l'entendre et nous conduire effectivement comme il en avait fait donc la promesse dans toute la vérité pour que nous soyons toujours gardés dans la vérité. Il a dit, je suis donc le chemin et la vérité et donc et la vie aussi également. Nous le remercions parce que jamais il n'a pu abandonner ceux qui lui appartiennent. Nous le voyons aussi dans le sein des Écritures et nous voyons comment la ligne a été tracée de telle sorte qu'il a veillé qu'effectivement que ceux-là, que la main soit dessus pour qu'ils puissent avancer et atteindre effectivement l'objectif et accomplir les desseins pour lesquels le Seigneur, notre Dieu, les a donc appelés pour cela. C'est pourquoi qu'il envoie aussi sa parole pour que elle puisse davantage aussi éclairer, afin que le peuple puisse voir de quelle manière, effectivement, il faudra donc avancer. Nous le remercions encore parce que nous savons, comme il a dit les Saintes Écritures, que notre Seigneur Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous avons donc la joie ce matin de pouvoir avoir notre précieux frère, que notre frère ici, Julliard nous a donc aussi fait le plaisir de pouvoir inviter. Je voudrais voir le frère. Il doit se trouver là, je pense. Lèvez-vous, mon bien-aimé frère. Peut-être que je pense que ce serait mieux que vous veniez ici, comme ça le frère vous voie. Venez devant, mon frère. C'est notre précieux frère, il est aussi votre frère. Amen. Alors, il est venu aussi pour avoir la communion avec vous. Et mon précieux frère, vous vous appelez... Le frère Joris. Le frère Joris. Donc je crois que le frère Joris, vous ne le connaissez pas, mais je crois que le frère Joris vous connaît. Amen. Vous voyez comment il a secoué la tête, non? Il se sent quand même un peu chez lui. Que Dieu vous bénisse richement, mon bien-aimé frère, à tout à l'heure. Nous sommes heureux de pouvoir réellement réaliser que notre Dieu... Il a dit, comme dans les Saintes Écritures, que c'est lui qui veille sur Israël, ne sommeille ni ne dort. C'est bien l'Éternel, notre Dieu, qui veille sur chacun de nous, parce que nous sommes réellement précieux aux yeux du Seigneur. Même si aux yeux des hommes, nous ne valons absolument rien, mais aux yeux du Seigneur, nous avons donc de la valeur. Et c'est pour cela que lui, il n'est pas resté sur son trône, mais il a quitté donc son trône. Parce que tu avais donc de la valeur à ses yeux. Et nous le remercions pour cela, parce que, comme la Bible le dit aussi, que nous sommes maintenant, pas que nous serons, mais maintenant, nous sommes enfants de Dieu. Et si le monde ne nous connaît pas, ça regarde le monde. Mais nous avons l'assurance que notre Seigneur, notre Dieu, nous connaît. Parce que en nous, il nous a placé quelque chose qui certifie qu'effectivement que nous sommes à lui. Parce que cet esprit crie à nous, Abba. Donc nous comprenons qu'effectivement que... Donc l'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit que ce n'est pas par hasard, mais nous sommes bien sûr fils et filles de Dieu. Et nous remercions notre Dieu pour cette grâce de nous avoir accordé aussi d'avoir cette assurance que nous le sommes. Et si nous le sommes, alors nous sommes héritiers et co-héritiers aussi. Donc c'est avec assurance que nous marchons et nous avançons effectivement sur ce chemin que le Seigneur, notre Dieu, nous a donc accordé la grâce de pouvoir réellement aussi être placés. Et là aussi, on nous dit qu'effectivement, que sur ce chemin-là, nul impur n'y passera. Seul donc le racheté de l'Éternel y marcheront. Alléluia. Amen. Nous remercions notre Dieu. C'est pour ça que je voudrais aussi que nous puissions prendre dans les Saintes Écritures, dans le livre de Matthieu, au chapitre 24. Matthieu 24, et nous lirons à partir du verset, je pense que...
peut-être verset, nous trouvons peut-être un petit verset 8, peut-être que ça peut nous aider à aller un peu plus loin. Matthieu 24, chapitre 24, verset 8. Je pense que chacun de vous se souvient bien de questions que les disciples ont posées au maître en ces temps-là, effectivement, et que notre maître a eu à pouvoir répondre, effectivement, à ces questions. Donc, c'est dans la réponse, effectivement, que nous arrivons au verset donc 8, où nous dit, il a dit, « Tout cela ne sera que le commencement de douleur. Alors, on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. » Alors, plusieurs... Ainsi aussi, donc, alors aussi plusieurs succomberont et ils s'y trahiront, s'y haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera donc accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera donc sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêché dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra donc la fin. Amen. Amen. Maître béni, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous nous tenons encore devant ton trône de grâce, tes suppliants. C'est toi qui nous as donc adressé ces paroles lorsque tes disciples ont posé la question, les questions qui ont été posées. Et tu as répondu aussi clairement et précisément aussi en montrant aussi la ligne des temps et les événements qui se dérouleront et comment les choses seront. Oh, que ton nom soit béni. Tu es vraiment Dieu dans ta façon de faire les choses et tu es aussi, comme tu l'as dit aussi toi-même, l'alpha et l'oméga. Tu contrôles les événements, les circonstances, mon sauveur. Je te remercie, Père. Nous voici devant ton trône de grâce, désirant vraiment encore être éclairés encore en ce temps, parce que nous soupirons après toi, mon Seigneur Jésus. Pardonne-moi, aide-moi si j'ai vraiment besoin de toi, mon Seigneur, encore en ce jour, Père. Éclaire et soutiens-nous tous parce que nous apprenons de toi et nous voulons avancer davantage avec toi. Sois béni et glorifié, Père, et pardonne-moi encore. Je te demande cette grâce au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous souvenons effectivement de ce que les disciples avaient toujours à l'endroit du Seigneur, donc le maître qu'ils connaissaient, et aussi de la foi et de la confiance qu'ils avaient toujours placée donc en lui, malgré effectivement tout ce qui pouvait se passer autour d'eux, malgré la fréquente, vous savez, situation et les événements avec les pharisiens et les sadducéens qui tout le temps étaient là à pouvoir aussi acculer parce que les disciples voyaient et aussi étaient aussi des témoins de toutes ces choses. Mais malgré tout cela, effectivement, ils étaient toujours accrochés à leur maître parce qu'ils avaient aussi réalisé quelque chose de particulier qui était donc de celui qui était donc celui qui les avait appelés par rapport à ceux avec qui lesquels ils avaient toujours eu l'habitude de pouvoir être, effectivement, parce que avant que le maître, le Seigneur entre en scène, effectivement, il y avait toujours eu des pharisiens, des sadducéens, des lévites, effectivement. Donc, ils étaient toujours confrontés à ces personnes et habituellement aussi à pouvoir aussi suivre aussi, effectivement, aussi les train-train aussi de leur façon de pouvoir faire les choses. Et aussi, quand il est entré, effectivement, en scène, quelque chose de particulier s'est passé avec lui, ce que lorsque il avançait, qu'il voyait quelqu'un, effectivement, comme Pierre, il appelait et dit, viens, suis-moi, viens, suis-moi. C'était automatiquement quelque chose qui s'est passé dans l'intérêt de la personne, lorsque il pouvait entendre aussi, comme Lévi aussi, qu'il a dit aussi, viens donc et suis-moi. Chaque fois qu'il disait, viens, suis-moi, la personne sentait cette attraction, cette puissance, effectivement, qui les détachait, effectivement, des choses auxquelles, effectivement, il pouvait arriver à pouvoir s'accrocher. Et nous nous souvenons aussi avec cet homme ici du nom de Zachée qui, lui, faisait sa vie comme il voulait, effectivement. Mais ces jours, mais c'est merveilleux, frère et soeur. Il dit, ce tableau a toujours été un tableau extraordinaire.
ces grands hommes, effectivement, et divins qui est passé à différents endroits, prêcher et aussi prier pour la... Donc, et ces jours-là, la foule le suivait, et je crois que tout le monde voulait quand même, sous ceux qui, peut-être pas tout le monde dans la foule, effectivement, peut-être que ceux-là qui étaient touchés par de voir ce que le Seigneur faisait comme des hommes, j'ai mis l'exemple comme des hommes, effectivement, comme Bartimée et tout ça, qui criait avec insistance, malgré que la foule voulait faire taire, effectivement. Il y a eu des hommes qui avaient réellement réalisé que celui-ci est celui-ci. Est-ce que vous avez compris? Amen. Bien sûr. Et d'autres qui avançaient, effectivement, qui étaient un peu dans le doute, effectivement. Et quand on voit, par exemple, cette femme aux pertes de sang, qui, après des années, a été partout, effectivement, pas de guérison. Et ces jours-là, effectivement, il passait, et puis la femme était là dans la foule. Et voilà qu'il avançait, la femme était là. Elle a dit, mais aujourd'hui c'est mon jour. Amen. Le jour que le Seigneur m'a aussi donné. Amen. Peu importe ce que les autres pouvaient penser ou croire autour d'elle. Il a dit, c'est mon jour. Amen. Et quand il a dit, voici donc l'homme. Amen. Sans hésitation, mon frère et ma soeur. Elle a dit en elle-même, je puis simplement toucher le bord de son vêtement. Peu importe ce que le voisin veut penser. Moi, si j'ai tout simplement le bord de son vêtement, je serai guéri. Alléluia. Elle avait su qui était cet homme-là. Gloire au Seigneur. Oui, monsieur. Oui, madame. Alors qu'elle a touché le bord. La perte de sang s'est arrêtée immédiatement, mon frère. Et alors on a vu que le maître s'est arrêté. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Il s'est arrêté. Il dit quelque chose s'est passé. Il dit qu'est-ce qui s'est passé, maître? Il dit quelqu'un m'a touché. Alléluia. Alléluia. Mon frère, ma soeur, tu peux aussi le toucher aujourd'hui. Jésus toujours présent. Gloire au Seigneur. Il n'a jamais changé, mon frère. La Bible dit qu'il est le même. Hier, yeah, aujourd'hui et éternellement, monsieur. Les disciples ne disent jamais, mais Seigneur, maître, maître, tout le monde te touche. Il dit non. Il dit, cette touche-là n'est pas la touche de tout le monde. Non, monsieur. C'est une touche particulière. Ta touche à toi doit être particulière, mon frère. Gloire au Seigneur. Oui, monsieur. Oui, madame. Ce matin, tu peux le toucher. Alléluia. Aujourd'hui, c'est aussi ton jour, mon frère. Il n'a pas changé. Non. Il n'a pas changé. Il marchait, effectivement. Et tout le monde le bousculait, effectivement. Frère, c'est Jésus que nous connaissons. Ce n'est pas le même dénomination. Toi, tu sais qui il est. C'est pour ça que tu as foi en lui. Alléluia. Mais maintenant, mets ta foi en action. Puisque nous savons qui il est. Il n'est pas la deuxième Trinité. Non. Alléluia. Il est le Dieu Tout-Puissant. Donc nous avons donc la connaissance de la vérité, monsieur. La femme peut descendre, mais c'est bien lui. Pas un autre, mais c'est lui. Bartimée. Bartimée. Frères et sœurs, soyez comme les Bartimée. Il était aveugle. Il était mendiant. Il ne voyait pas. Ceux-là qui voyaient, ne voyaient pas. Oh, mon frère. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Mais Bartimée qui ne voyait pas, il voyait. Gloire au Seigneur. Alléluia. Aujourd'hui, que tes yeux voient. Ce que les autres ne voient pas. Gloire à Dieu. Oui, monsieur. Oui, madame. C'est aussi ton jour, mon frère.
le jour que le Seigneur a fait pour toi, que quand il sortira ici, ce sera terminé, monsieur. La femme au père descend et n'est pas rentrée avec la prédescente. Bartimée n'est pas rentrée avec. Gloire au Seigneur. Bartimée rentrée en voyant. Nous avons confiance. Nous avons foi en lui. Peu importe ce qu'on disait de Bartimée. Lorsqu'il a entendu, il dit, mais qui est-ce? Il ne savait pas tellement très bien les gens. Alors lui, on dit, mais qui est-ce? Et pour dire, mais c'est les génies de Nazareth. Il dit, alléluia! Il dit, fils de David! Ah, oui! Il dit, fils de David! Il a crié! Il dit, je le connais! Quand tu appelleras, il te dira, me voici! C'est sûr! Et certains, mon frère, de réaliser qu'effectivement, que le projet que le Seigneur a formé pour toi, mon frère, et pour toi, ma soeur, ne seront jamais des projets de malheur. C'est pour ça, dans ce monde, effectivement, où nous sommes, qu'il n'y a aucune chose. Je ne sais pas dans quel domaine ça peut être, qu'il n'y ait aucune chose qui puisse t'amener à pouvoir t'abattre à tel point que... Mon frère et ma soeur, quelque chose de très important que nous devons comprendre, c'est comme nous parlions tout à l'heure de Bartimée. Il faut d'abord que tu saches d'abord qui tu es toi d'abord. Mon frère et ma soeur, tu ne peux pas être comme les autres. Non pas parce que toi, tu ne veux pas être comme les autres, mais c'est parce que tu as été fait différemment. Non, non, mon frère, ma soeur, tu as été fait différemment. Vous connaissez toujours cet exemple de l'aigle que Dieu vous dit toujours. Et ça ne vient pas de moi, ça vient des frères Branham, vous connaissez. Le petit aiglon. Le fermier a ramassé l'œuf. Il est venu le mettre dans son poulailler. Avec les autres, d'autres œufs de poule, ainsi de suite. Et les œufs ont éclos. Et puis, dans ces œufs qui ont éclos, finalement, on a vu un petit oiseau bizarre. Mais comme je l'ai toujours dit, effectivement, qu'ils n'ont pas les miroirs pour se regarder. Alors lui, il est sorti de l'œuf, il a vu aussi que les poussins sont sortis. Il s'est compris, il dit, mais je suis aussi un poussin. Mes frères et sœurs, mais depuis toujours, il n'avait jamais été un poussin. Mais il pensait qu'il était un poussin. Non, vous savez, frères et sœurs, lui, il venait d'une lignée royale. Alléluia! De ceux qui ne sont pas par terre, qui sont dans les airs. Est-ce que vous comprenez? Parce que les poules c'est sous terre, mais les aigles c'est dans les airs. Alléluia! Gloire au Seigneur! C'est pour ça qu'on prend ceci, frère. Tu n'es pas devenu l'épouse, mais tu as toujours été l'épouse. Gloire à Dieu. Les poussins ont toujours été les poussins sur la terre. Mais l'aigle est dans les hauteurs toujours. Mais à un moment, on l'a ramené sur la terre. Il pensait que je suis avec de cela. C'est pour ça, mon frère et ma soeur, la Bible dit ceci, que à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, pas à tout le monde, non. C'est là la grande différence, mon frère et ma soeur. C'est pour que tu comprennes pourquoi t'abattre, pourquoi t'attrister, pourquoi gémir, pourquoi pleurer. Crois simplement, frère. Pourquoi, mon frère? Parce que toi, tu as été appelé à croire. La
La foi ne vient pas de toi. C'est un don. Donc si cela a été donné à toi, c'est pour que tu crois. C'est pour ça que le Seigneur dit, à vous, il vous a été donné, mais pas à eux. Maintenant, il est important que toi, tu saches dans quelle catégorie tu te trouves. Des siens auxquels on a donné ou des siens auxquels on a privé. Donc, si Dieu m'a donné cela, c'est pour que nous puissions arriver à pouvoir croire. Mais par quoi? N'importe quoi. Parce que si quelque chose vient de Dieu, c'est pour qu'on croit à Dieu. Alléluia. Amen. Mon frère et ma soeur, tout ce qui vient de Dieu doit retourner à... Ah oui, oui, oui. Il a dit, je suis sorti de... Je retourne où? Voilà. Il n'est pas étranger. C'est pour ça que je voulais toujours y avoir pouvoir vous le dire ici. J'ai dit, mon frère et ma soeur, quant au salut, sois en paix. Parce que frère, c'est une chose vraie. En enfer, il n'y a pas ta place. Non. Sur la liste de ceux qui vont en enfer, ton nom n'y est pas. Non, frère, ce n'est pas possible. Même si on te force, l'enfer va dire, mais il n'est pas d'ici. Oui. Bien sûr, parce qu'il n'y a pas de place pour toi. Ceux qui sont descendus en enfer, ils ont leur place là-bas. Donc les places sont occupées. Et toi, tu vas occuper quoi? Parce que ce n'est pas ta place. Où se trouve ta place? Ton nom à toi est inscrit où c'est? Dans les livres de vie de l'agneau. Mon frère et ma soeur, nous devons réaliser la grâce que Dieu lui-même nous a accordé. Nous devons être de ceux sur cette terre ici où nous marchons en chantant tous les jours. Peu importe qui est sur mon compte en banque, il y a zéro. Alléluia! Ce ne sont pas des chiffres dans mon compte qui me rend heureux. Non, frère. Non. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Alléluia! Alléluia! Non seulement il m'a sauvé, mais il est allé préparer une place. Pour qui? Pour moi. Oh oui, mon frère. Je dois réaliser une chose. Que moi, je suis un étranger. Si je suis un étranger, c'est que ces choses ne m'appartiennent pas. Un jour, je rentrerai où c'est? Chez moi. Donc, je dois me préparer pour chez moi. Je dois avoir un chez moi. Mon frère et ma soeur, arrêtons de nous combattre pour les bêtises. Amen. C'est sûr et certain. On doit comprendre, mais pourquoi je me bats? Pourquoi je me bats avec ma soeur? C'est pour les choses de la terre. Ça ne sert à rien. Moi, j'ai un but. C'est d'aller chez moi. Nous devons comprendre que nous avons un adversaire. Il est malin. Son travail, c'est injecter à toi ses pensées pour que tu en fasses tienne. Mais oui, la haine ne vient pas de nous. Ah non. Jamais la haine n'est venue du peuple de Dieu. Non, parce que quand Dieu, tout ce que Dieu a créé était toujours... Exactement. Adam, il était bon. Quand Ève aussi est venue à l'existence, elle était toujours aussi bonne. Ah ben oui, tout était bon. Il n'y avait pas de problème. Mais l'injection est venue du serpent. Il est venu pour injecter. Aussi longtemps qu'il n'avait rien injecté, l'homme et la femme étaient heureux. Non, mon frère et ma soeur, ôtons simplement la semence du serpent. Nous entendrons très bien. Alléluia. Parce que dans ton cœur, dans ta pensée, il n'y a rien de mal. Mais on est venu injecter le mal. Est-ce que vous comprenez? C'est nécessaire que nous comprenions. Les choses, enfin, que nous comprenions effectivement quel est l'objectif de notre Seigneur à notre endroit pour que nous apprenions à pouvoir comprendre pourquoi le Seigneur
quand tu lui as posé la question, quel est le premier et le plus grand de tous les commandements? Vous savez, quand on parle des commandements, ce n'est nul autre que la parole de Dieu. Psaume 119. Alléluia. Amen, amen. Vous vous souvenez, non? Oui. On a dit, nous pouvons lire chacun quelques versets. Amen. Psaume 119, regardez bien. Voilà, je vois ce psaume. Voilà, c'est ça, oui, ça. Il nous dit ça. Voilà. Ah. Verset 1. Il dit, heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon quoi? Et heureux ceux qui gardent donc ses préceptes et qui les cherchent de tout leur cœur et qui ne commettent point d'iniquité et qui marchent dans ses voies. Donc il dit, et qui marchent selon la loi de l'Éternel. C'est pour ça que plus bas il dit, mais je sais. Ta parole dans mon cœur. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand... C'est Moïse qui... Là, qui sont arrivés au Moreb dans Exode chapitre 20, et que Dieu lui parla maintenant, et voici donc la loi qu'il donnera au peuple, effectivement. Et quand nous comprenons que le Seigneur, notre Dieu, aille à pouvoir dire quelque chose d'aussi particulier. Exode chapitre 20, je pense que c'est cela. En parlant de cela, Exode au chapitre 20, il dit quelque chose de merveilleux. Il doit toujours attirer notre attention. Voilà. Il dit, verset 1. Alors, Dieu prononça toutes ces paroles en disant, je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Il dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque de choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te posterneras point devant elles. Et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu. Voyez-vous comment il s'exprime, effectivement. Il dit, moi, l'Éternel, ton Dieu. Vous vous souvenez de ce que le Seigneur, notre Dieu, avait dit à Abraham. C'est dans le livre d'Exode, chapitre 17, je pense, quelque chose comme cela. Je pense sur Genèse, je pense que c'est cela. Hein. Genèse, chapitre 17. Vous peut-être les lire, regardez bien. Et Genèse, chapitre 17. Et il dit ceci. Voilà, verset 1, il dit, lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel donc apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Il dit donc, marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi. Je te multiplierai à l'extrême, donc à l'infini. Donc, Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant, voici mon alliance que j'ai fait avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham. Car je te rends père d'une multitude de nations. N'est-ce pas? Je te rendrai fécond à l'infini, donc à l'extrême. Je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. J'aime Dieu, hein? Donc, quand il parlait ainsi, eh bien, il nous voyait aussi en tant que les gens des nations. Oh, donc, vous savez, la parole de Dieu a une portée extraordinaire. Donc, il a une vision de Dieu, effectivement, quand Dieu la prononce. Nous devons avoir du respect. Verset 7, il dit, mais j'établirai donc mon alliance entre moi et toi. Ce n'est pas Abraham qui a couru vers Dieu, établit une alliance avec moi, effectivement. Non. C'est Dieu lui-même qui observa la marche d'Abraham.
Comment, quand tu lui as parlé, effectivement, comment Abraham avait confiance, effectivement. Oui, c'est pas pour rien qu'il il a fait pas la son père, il dit, mais j'ai dit, je suis un Dieu, mais tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Il a observé Abraham. Il est vivé dans des contrées où il y avait des divinités aussi. Bien sûr que oui. Il savait que dans le cœur de l'homme, effectivement, c'est toujours un peu ici, un peu là, comme Élie pouvait le dire, mais jusqu'à quand que je serai vous des deux côtés. Si l'Éternel est Dieu, allez à lui. Si c'est Baal, allez à Baal. Toujours comme ça dans le cœur de l'homme. Et il marche souvent sans vraiment avoir une assurance, effectivement, parce que c'est ça le grand problème, en fait. Parce que si nous n'avons pas vraiment l'assurance, eh ben, nous ne pouvons pas arriver à pouvoir aller plus loin. Et puis nous ne sommes pas vraiment des croyants. Parce que la Bible nous fait comprendre que la foi est une ferme assurance. Parce qu'il faut être sûr et certain de celui en qui tu as cru. Mais si tu es en train de pouvoir un peu hésiter là, un peu hésiter ici, donc en qui tu crois? Donc la foi n'y est pas. Parce que si la foi t'a été donnée, il doit être une ferme assurance de choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. N'est-ce pas vrai? Parce que sans la foi, il était impossible d'être agréable à Dieu. C'est ça, c'est-à-dire. Alors, nous devons nous prendre cela. Dieu a observé Abraham. Il a observé sa marche, effectivement, comment est-ce que les choses sont, effectivement, avec lui. Quand il lui disait quelque chose, il regardait comment Abraham réagissait. Vous savez, Dieu est un Dieu qui aime éprouver les hommes. Vous savez, il faut connaître Dieu. Dans sa relation avec le croyant. Souvent, quand il marche avec les croyants, il ne va pas te demander de faire des choses qui sont possibles. Sinon, c'est tout le monde le commun, tout le monde. Avançons, pasteur. Et Dieu te bénisse. Donc, il va te demander des choses que, humainement parlant, tu dis, mais c'est pas possible ça. C'est quand même pas possible. Parce que ta conscience dit, mais c'est pas possible. Tu dis, alors ça, c'est pas possible. Donc, ta foi va. Et c'est pour ça qu'il a dit à Abraham, qu'Abraham dit, mais je m'en vais sans enfant. Ah oui. Il savait que, mais c'est lui, parce que dans la vie d'Abraham, il avait les regards. C'est lui qui a voulu qu'Abraham se marie avec Sarah. Alléluia. Bien sûr, il n'y avait pas l'ombre. Il n'y avait pas l'ombre des hasards, messieurs. Ah non, 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 non. Oh frère. Dieu, la Bible dans Psaume 139. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Alléluia. Qu'est-ce qu'il a dit à Jérémie? Avant que tu te fasses de ta mère, je t'avais connu, je t'avais consacré. Donc la rencontre d'Abraham avec Dieu, ce n'était pas un hasard. Dieu l'avait observé depuis. Oui, monsieur. Oui, madame. C'est sûr et certain. Oh oui. Il a placé Abraham dans des conditions telles que, humainement parlant, impossible. Parce que Dieu aime voir la foi. La foi ne se contente pas de ce qui est possible. Non, la foi, gloire à Dieu, c'est pour croire à l'impossible. Oui. C'est pour ça que tu as et moi, nous avons reçu la foi. Pourquoi qu'un jour, nous partirons? Pas que c'est une supposition. Non! Nous quitterons la terre. Nous, les vivants, nous serons changés. Nous croyons à ces changements. Même si les hommes disent, mais monsieur, mais vous êtes malade. Vous voyez la pesanteur, tu sautes, tu reviens sur la terre. Il dit, ces jours-là. Ces jours-là, la pesanteur peut essayer de m'attraper. Non, léger, je m'en vais. Alléluia. Il dit, mais monsieur, vous êtes fou. Il dit, non, 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 je ne suis pas fou. Parce que mon maître, à moi, il est monté. Voilà que c'est possible. Parce que Dieu l'a déjà démontré. Parce que moi et mon maître, nous sommes liés. Il a dit, je vais préparer une place, je reviendrai. De la même manière que je suis parti, je reviendrai. Et vous et moi, on s'en va danser dans l'air. Et nous partons chez nous. Alléluia. Gloire à Dieu. Mon frère et ma soeur, je ne crois pas à mes pensées. Je ne crois pas à mes émotions. Je crois à sa parole. Donc ce que mes pensées peuvent dire, mes émotions peuvent dire, c'est pas possible, il n'y a pas de problème, mais je vais regarder ce que lui, il a dit.
les instruments des médecins de l'hôpital. Il dit, mais monsieur, ça ne va pas. Et on ne sait absolument rien faire. Alors moi, j'ai dit, bon, vous avez vu ça où c'est? Mais dans notre livre de la médecine, on a étudié ici, c'est écrit, quand on voit tel ceci, tel effet, ça donne ça. Il dit, alléluia. Maintenant, laisse-moi aussi prendre mon livre. Alléluia. Vous avez les vôtres. Moi, je prends le mien. Alléluia. Monsieur Abraham, vous êtes vraiment tellement vieux, votre femme est tellement aussi ménopausée, c'est pas possible. Nos livres disent que ménopause, vieillesse, l'homme n'a plus la force. Alléluia. Abraham dit, attendez, je vais consulter. Alléluia. Vous avez votre livre, nous avons les nôtres. Dans votre, on dit qu'effectivement que... Oui, dans notre, on dit que l'homme est descendu du singe. Oui, même du poisson. Vous voyez, mon frère et ma soeur, c'est une grâce. Vous ne réalisez pas la grandeur. C'est la grâce que Dieu nous a donc donnée. Et Dieu aime observer la personne qu'il a appelée et qu'il observe effectivement sa marche. Parce que n'oublie pas, ne croyez pas que quand Dieu vous appelle, eh bien tout est tapissé de roses. On va marcher sous des nuages, on va pas toujours, tout va aller très bien. Non, c'est quand Dieu t'a choisi que tu dois commencer à pleurer. Ah oui. Pour quelle raison? Parce que tout l'enfer, tous les démons vont se tourner contre toi. Même ton père, même ta mère, même ton mari, tout, c'est vrai, hein? Toute ta famille, tous ceux qui ne sont pas de Dieu, seront contre toi. Parce que tous ces hommes-là sont des faits de Satan dans son carquois. Non, mais c'est sérieux, frère. Oui, il va utiliser tous ces hommes-là contre toi. Quand tu passes comme ça, ton enfant que tu aimes tant, que tu aimes bien, là, c'est celui-là qui te fait un petit boum. Mais oui, parce qu'il n'est pas croyant. Mais Satan va l'utiliser. Il le prend pour une flèche pour toi. Ah oui, que tu avances, au travail, tu ne fais rien à quelqu'un. Il est toujours là à faire des visages nerveux quand tu passes. Mais qu'est-ce qui se passe effectivement? Explique-moi qu'est-ce qu'il y a compris. Il ne sait pas bien t'expliquer en fait. Mais en fait, ce n'est pas la personne. C'est toujours quelqu'un qui est derrière la personne. Donc maintenant, qu'est-ce qui va se passer? C'est pour ça, il faut d'abord que toi, tu sois d'abord sûr et certain du lieu dans lequel notre Dieu t'a placé. Vous voyez, frère, vous voyez, mon frère, ma soeur, je veux toujours votre attention. Parfois, les croyants ne font pas tellement très attention. Pas trop attention. Vous remarquerez très bien que quand on est à la première étape, les gens disent, oh, c'est terminé, gloire à Dieu, tout va très bien. Non, vous n'avez pas bien compris. C'est pour ça que la prédication de la parole de Dieu, le respect de la parole, le coût de la parole et l'assiduité, nous allons y arriver si Dieu le permet, est très important. Ne devenez jamais, la grosse erreur que tout le monde commet, vous devenez pasteur de vous-même, prophète de vous-même, apôtre de vous-même, prédicateur de vous-même. Donc, s'il n'y a pas un prédicateur comme vous, vous ne l'écouterez pas. Il faut que ça soit vous le prédicateur. C'est-à-dire que quand la personne prêche, il doit prêcher comme vous le voulez. Comme vous voulez que la chose soit présentée. Si cela n'est pas prêché comme vous le voulez, comme vous le présentez, comme vous le sentez, ben non. Alors là, c'est le plus grand danger en fait. Vous avez un prédicateur que vous avez et vous pensez que c'est vous. Mais c'est bien Satan lui-même. Je suis sûr et certain. Parce que quand vous dites simplement que c'est seulement moi, vous savez ce qu'il a déjà fait, non?
c'est que l'orgueil s'est glissé. L'orgueil, c'est son chemin. C'est vrai, c'est sa force. Vous avez un peu d'orgueil, il rentre. Parce que vous l'avez invité. Et il va s'asseoir. Vous savez, le plus grand danger que l'homme, c'est en fait, c'est que c'est son amour propre. Et c'est ça le problème. C'est pour ça que vous regardez ici. L'amour de soi. Vous avez même entendu dans... Je crois que c'est 2 Timothée chapitre 3, non? L'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Les hommes seront amis de l'argent. Avec toujours de aimant le plaisir plus que Dieu même. C'est-à-dire que c'est toujours véreux. Chacun, cet amour de soi, c'est les pièges en fait que Satan. Parce que Satan, il est malin. Il va venir avec, tu sais, toi. C'est quand toi. Quand c'est toi, parce que toi, chacun de vous est comme ça. Hein? C'est, quand c'est toi, tu vois, t'as des pieds. Ah, il dit, oh, je l'ai eu. Parce que là, j'ai plus le contrôle du son. Bien sûr. C'est pour ça être un enfant de Dieu, c'est pas que brûle comme ça, non. C'est-à-dire qu'il faut que tu sois d'abord que c'est un combat où tu dois tomber. Parce que Dieu ne vient pas s'imposer chez toi. Satan, oui. Bien sûr. Notre Seigneur n'est pas un dictateur. Non, lui, il vient, il te dit, voici, il y a ça, il y a ceci. Fais ton choix. Mais Satan vient directement, ça c'est bon. Avec tous les éclats. Mais c'est vrai. Et c'est pour ça que parfois vous entendez la décision, que vous pensez que c'est des dieux, mais ce n'est pas des dieux. Parce que ça vient directement comme ça, ça vous... Et boum, on prend cela, effectivement. Mais non, parce que quand Dieu, c'est tout à fait paisible, mais parfois, quand tu observes, tu dis, oh mon Dieu, ce que... Vous voyez, c'est, en fait, Dieu vous conduit d'une manière tout à fait particulière. Ah bon, et c'est cela, effectivement, aussi que nous devons. C'est-à-dire que nous attendons à ce que Dieu puisse prendre le contrôle. Et c'est pour ça que je disais qu'on ne fait pas trop attention. Cette étape ici-là, si tu as le tableau, je ne sais pas si tu peux l'avoir, mais la justification, la sanctification, et le baptême du Saint-Esprit. Donc, si tu te trouves, c'est bon, si tu ne te trouves pas, ils connaissent. Ça, c'est très important que vous compreniez ça. Première étape, c'est qu'on appelle l'étape de la justification. Il faut que cette étape-là soit vraiment bien accomplie dans la personne. Est-ce que vous suivez bien, comprenez, c'est accomplie dans la personne. Que la personne puisse vraiment passer par cette étape-là en étant vraiment aussi consciente que là, je suis passé par là. Pour que tu passes à la deuxième étape. Parce que Dieu ne peut pas faire un travail à moitié. Il faut que le travail soit... Oh, ah oui, c'est si. Vous voyez derrière moi? Oui, il faut que le travail soit profondément fait. Mais vraiment, fait la justification. C'est vrai qu'il a bien mis, merci. Avec Luther, vous connaissez cela, mais seulement on prend cela pour que vous ne pas. Donc, l'étape ici, c'est profondément fait jusqu'aux racines. C'est-à-dire que justifier veut dire que la personne se rend compte qu'en tout cas, tout ce que je pouvais essayer de pouvoir faire, sûr et certain, tout était voué à l'échec. Et moi-même, je me suis... Parce que frères et sœurs, quand vous n'êtes pas bien passé par ici, l'orgueil reste toujours quand même. Moi, vous savez, moi, j'ai pas été comme les autres. Hein. Bon, tu sais quand même, bon, bien sûr, je remercie le Seigneur qui a fait de moi un fils de Dieu. Mais en fait, tu ne reconnais pas que tu étais vraiment au plus bas. Vous voyez comment cet homme de Dieu, dans les livres, je crois que c'est Éphésiens, chapitre 2, quand il parle effectivement pour nous montrer effectivement et que nous devons être conscients de l'action de Dieu en nous pour que Dieu accomplisse son œuvre en nous. Parce que frère, il ne peut pas faire quelque chose à moitié pour dire, bon, il a fait un tout petit peu de choses, je vais passer un peu de justification, puis directement je vais à la sanctification. Non, monsieur, la justification doit être complète. Le bon départ, pasteur. Amen. Alléluia. Donc complète, au plus profond, complète, pour que tu comprennes maintenant l'importance de la deuxième partie, qui est donc la sanctification, pourquoi Dieu est censé pouvoir me sanctifier.
Parce que tu ne vas pas chercher, frère, à te sanctifier toi-même. Parce que tu diras, mais je ne peux pas le faire. Pour que tu aies besoin de cela. Parce que Dieu n'est pas un dictateur. Il dit et il observe ce que la parole de Dieu que vous allez faire avec. N'oubliez jamais Matthieu chapitre 13. La parole qui est tombée parmi les épines et ce qui est tombé parmi les pierres était la même, avec la même puissance, parce qu'il n'y avait pas deux semences, une seule semence. Donc la même avec toute la puissance. Celle qui a été sur les pierres, effectivement, qui n'a pas produit. C'était la même parole. Avec toute l'autorité, la puissance aussi. C'est vrai, même parmi les épines, effectivement. Qui a... Mais c'est pas que c'est. Le problème n'est pas la parole. Oh. Le problème est les lieux où tombe la parole. Oui, monsieur. La parole, elle produira tout. Parce qu'elle ne peut pas faire. Ouais, mais bon, comme elle est tombée, c'est que Dieu a échoué. Non, 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 non. Elle est arrivée à tomber dans la bonne terre pour prouver que Dieu ne peut pas échouer. Quand il envoie sa parole, il doit atteindre son objectif. Oui, monsieur. Le problème, c'est toi. Bien sûr que oui. Bien sûr que oui, ma soeur. Là. Éphésiens, je pense, chapitre 2. Nous nous référions à cela pour que... Regardez bien. Il dit... Ici, verset 1, il dit... Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Vous avez entendu cela? Oui. S'adressant aux Éphésiens. Vous comprenez? Il dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Verset 2 dit, mais dans lesquels vous marchiez autrefois, selon les trains de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Vous avez entendu, non? Il a dit, vous, non? Vous étiez, vous étiez, vous étiez. Et puis le verset suivant, qu'est-ce qu'il a dit? Nous tous aussi. Donc, il s'est aussi inclus. Reconnaissant que là, j'étais aussi là-dedans. Il dit, nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Et nous vivions autrefois selon le convoitise de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme... Voilà. C'est-à-dire qu'il faut que tu puisses te rendre compte de ce qui s'est passé ici. Mais profondément. Pour ne pas qu'il y ait une oreille en toi et dire, oh non, vous savez, moi je suis une fille, moi je suis un fils de Dieu, saint, saint, vous êtes des chiens et des chiens. Non, monsieur, j'étais un chien aussi. Alléluia. Alléluia, oui. Oh, mon frère et ma soeur, nous avons beaucoup de connaissances, mais nous ne sommes jamais entrés dans la chose qui nous avait été donc enseignée. Dans la connaissance, la justification. On connaît la justification. Mais la justification n'a pas encore fait son travail en toi. Si la justification a fait un travail en toi, tu ne pourras jamais condamner quelqu'un. Vous voyez que vous condamnez les gens. Vous voyez que vous connaissez les gens. Mais c'est parce que la justification n'a pas fait son travail pleinement en toi. Vous aimez tellement juger, vous regardez, vous jugez, et vous faites effectivement le jugement. Il n'y a qu'un seul qui peut juger. C'est Dieu. Dieu, bien sûr. Parce que moi, je ne peux pas juger quelqu'un. Puisque ce don par lequel il passe, je suis passé aussi. Ça a été. Et ça n'a jamais été parce que tous ceux qui me pouvaient me voir aussi, ils me jugeaient aussi. A même la même condamnation que celui-là aussi. Mais comment ça se fait que moi j'ai pu maintenant être maintenant en dehors du jugement, que je me trouve ce que je suis aujourd'hui? Parce que j'ai fait quelque chose d'extraordinaire. Mon frère et ma soeur. C'est pour ça qu'il dit, mais Dieu,
qui est riche en miséricorde. Alléluia. Il y a encore de son grand amour dont tu nous as aimés. Mon frère et ma soeur, alors, d'où viendrait l'orgueil dans mon cœur pour me considérer plus que celui-ci ou celui-là? C'est parce que quelque part, nous n'avons pas compris. Il y a, parce que là, c'est que j'étais parmi les déchets. Vous savez, si Abraham, c'est pour ça qu'Abraham, quand vous regardez de si, Abraham pouvait juste se regarder. On n'a pas entendu quelque part qu'on nous a dit qu'Abraham s'est mis à genoux, il a commencé à chercher Dieu, à invoquer Dieu, effectivement. Non, messieurs. Avant Genèse chapitre 11, je pense, on a seulement entendu parler de 6 Noé, tout cela, vous vous souvenez? Oui. C'est à partir de Genèse chapitre 11, quelque part, qu'on a dit que Dieu s'adressa. Abraham, Dieu est allé vers. Voilà. C'est Dieu qui lui a dit, mais quitte ton père, ta mère et ta patrie. Il pouvait se glorifier de quoi? Rien. Par rapport aux autres. Rien. Vous savez, frères et sœurs, c'est absolument nécessaire que cela puisse vraiment entrer dans chacun de nous. Pour que nous comprenions aussi pourquoi est-ce que nous pouvons nous rassembler et être appelés des chrétiens. Vous portez un nom que vous n'avez pas le droit de porter. Parce que chrétien vient de Christ. Amen. Christ vient de roi. C'est lui qui a dit que dans le rouleau du livre, il est donc écrit de moi, je suis venu au Dieu pour faire ta volonté. Et pourquoi toi, tu t'es fait appeler ou tu t'appelles chrétien, alors qu'en réalité, ce que Dieu demande que ça soit fait, tu ne le fais pas. Parce que celui de qui tu portes le nom, que tu as pris le nom pour te porter, il a dit dans les rouleaux des livres. Amen. Il est donc écrit, je suis venu au Dieu pour faire. C'est pour ça qu'on nous dit dans Hébreux chapitre 10, vous avez besoin de la persévérance afin que, après avoir accompli la volonté de Dieu, vous suivez, vous obteniez ce qui vous est promis. Ah oui, il est parlé de l'enlèvement. Pour cela, il faut accomplir la volonté de celui qui nous a appelés. Mais c'est lui dont nous portons le nom. Parce que pour que nous soyons identifiés, donc nous ayons aussi reçu le salut ne vient pas de nous. C'est dans les psaumes, je pense, j'ai oublié le 80, il dit, il est devenu mon salut. Vous connaissez les psaumes, hein? Qui est donc devenu ton salut? L'Éternel est devenu mon salut. Alors nous savons que le Yahvé de l'Ancien Testament, c'est le Jésus du Nouveau. Parce qu'il a dit avant qu'Abraham fût Dieu. Son lombardin doute, on peut dire, mais comment vous pouvez dire ça? Mais il a dit lui-même qu'avant qu'Abraham fût, je suis. Et l'Éternel a dit à Moïse, dis-leur que le je suis
m'envoie vers vous. On ne peut pas avoir deux je suis, il n'y a qu'un seul. Amen, amen. Donc nous comprenons que le Dieu puissant, c'est Jésus. Ah. Amen, amen. Sans l'ombre d'un doute. Hein. Voyez-vous, les saintes écritures, c'est-à-dire, elles démontrent elles-mêmes la vérité de la parole de Dieu. C'est pour ça que nous devons être beaucoup plus attentifs. Alors, nous retournons ici rapidement. Donc, nous sommes justiciés. Justiciés par quoi? Mais par la foi en Jésus-Christ. Qu'est-ce que cela veut dire, par la foi en Jésus-Christ? Ce que nous devons bien saisir, les choses pour ne pas que nous marchions avec une illusion de salut. C'est pour ça que la parole est prêchée, vous ne changez pas, vous êtes toujours attiré par l'erreur, parce que vous ne connaissez pas effectivement votre pédigré. Les jours où la maman aigle, que Dieu te bénisse, a quitté son endroit là-bas, le picro, de haut du rocher, et n'était pas venu pour aller s'aventurer, perdre son temps. Non, monsieur. Il savait que parmi là, les poussins, il doit y avoir le mien. Parce qu'il était mien ici. Quelqu'un l'a pris. Je ne suis pas allé chercher le poussin, mais le mien. Et oui, madame. Le petit poussin en couche sur le bras et le petit aiglon ne se rendait même pas compte, effectivement, qu'il avait quelque chose de différent par rapport aux autres. C'est pour ça, ne vous comparez pas. Amen. Alléluia. Oh, je vois celui-là. Il réussit, il fait ceci, il a toujours des belles voitures, ses enfants, et moi qui suis croyant, je suis toujours en train de souffrir avec les tacos que j'ai. Apprends à apprécier les tacos que Dieu t'a donné. Amen. Oui. Contente-toi d'abord de ce que Dieu t'a donné. Tu te compares avec lui, l'autre. Mais si c'est ce que l'autre fait, il est un voleur, il est un escroc, ça ne te montre pas. Toi, tu es un prince. Toi, tu es une princesse. D'abord, je vais quand même vous poser une question. Quand le roi des rois est venu dans ce monde, et passant par Marie, dans quel hôtel 5 étoiles, avec un grand bazar, avec un grand lit, avec tout ça. Dans quel grand hôtel on l'a accepté? Tous les hôtels 5, 6 étoiles, on dit, mais d'abord comme tu es habillé, tout était fermé. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Oh, mais Seigneur, quand je vois celui-là, il rentre, il va dans les hôtels 600 étoiles. Et moi, je ne fais que prier. Tu t'es prié, je ne suis même pas en train de demander l'hôtel 2 étoiles. Gloire à Dieu. Qu'est-ce qu'il va faire dans l'hôtel 2 étoiles? Non, mais qu'est-ce que tu vas faire dans l'hôtel même 2 étoiles? J'ai mon lit chez moi. Amen, amen. À moins que je parte en voyage missionnaire. Non, je donne l'exemple, hein. Voilà, je comprends que je peux, hein, je ne suis pas pour dormir. Mais j'ai mon chez moi. J'ai mon lit. Amen. Eh ben, tu as besoin d'un frigo. J'ai mon frigo en bas. Tu as besoin des fruits pour tout dans la bouche chaque année. Le magasin du coin, il me vend des grappins, des raisins. Je voulais. Je suis chez moi. Je dis, il dit, viens mettre dans ma bouche. Pas de problème. Est-ce que vous comprenez? Oh Seigneur, mais il t'a donné quelque chose de merveilleux. Qu'est-ce que tu as? Le peu que Dieu t'a donné là. Il t'observe pour voir comment tu vas agir. N'enviez pas les autres. Hein? Ça, ce sont les païens.
D'ailleurs, il nous l'a dit lui-même. Ne dites pas de quoi je serai vêtu. Oh, qu'est-ce que je vois, il a acheté une robe avec des je ne sais pas moi, quand je le vois, oh, Seigneur, il est parti au magasin, je ne sais pas moi comment le magasin, là. Je ne sais même pas, moi je fais un job où je ne vais même pas prendre. Je me suis toujours, mais même si tu achètes une robe de 5 euros. Frères et sœurs. Que l'autre achète une robe de 120 euros, ou bien même de 250 ou de 600 euros. Mais c'est seulement le même corps, non? Quand il va porter la robe de 600 euros, son corps va dire, oh, que tu... Il ne va même pas parler. Son corps est muet. Et toi qui as acheté de 5 euros, tu as épargné 595, hein? Voilà. Puisque ton compte ne dit pas merci avec 600, je l'offre 200 ou même 2 euros. Je garde combien? 598. C'est ça, non? Nous, c'est quelque part, quand je joue Dieu, vous savez, mais regardez comme le proverbe le dit, hein, comme les fourmis, lui, quand il travaille. Vous aimez les lapider. Oh, j'ai vu, je suis passé dans ce magasin là-bas, j'ai vu une chaussure. Combien? 350. Je fais un job, il faut. Mais mon frère, tu fais un job, on te paye 400 euros. Tu vas t'acheter une chaussure. Je donne un exemple, je ne sais même pas pourquoi je suis de la main. De 350. 5 jours après. D'ailleurs, vous connaissez comment sont nos soeurs, non? Une fois qu'elle a porté ça, elle est venue à l'assemblée une fois. Deux fois, même dimanche, elle dit, ah non, tout le monde a vu. Tout le monde a vu, tout le monde a vu. Tu dis, mais si tout le monde a vu, qu'est-ce que tu veux? Oh, je veux quelque chose que tout le monde n'a pas vu. Mais ils ont trop vu. Même ce que tu vas acheter, ils vont le voir. Alors, vous savez ce qu'il faut faire? Eh bien, tu achètes, tu couvres ça. Quand tu manges, personne ne voit. Parce que quand tu achèteras, on verra. Tu rentres, je vais acheter ce que les gens n'ont pas vu. Et on verra quand même. Et puis après. On ne sait plus très bien où est-ce qu'on va le mettre. Est-ce que vous comprenez? Il fut un temps où quand nous avions une paire de chaussures, on pleurait, ah Seigneur, mais Dieu quand vous a donné des paires de chaussures aujourd'hui, parce que vous savez, enfin bref, je vais porter de là-bas, bref, là, ici. C'est nécessaire, frère, que nous sachions, pour l'amour de Dieu, apprécier ce que le Seigneur fait pour nous. Ne pas te comparer avec le voisin ni la voisine, mais compare-toi avec eux. C'est ça qui fait de toi un prince, qui fait de toi une princesse. Oui, monsieur. Vous savez que Dieu sait habiller les gens. Vous donnez tellement de titres. Oh, grand tailleur, grand couturier, grand ceci et cela. Mais s'il y a un grand couturier, ça doit être Dieu, non? Le grand artiste. Alléluia. Quand il fait quelque chose de beau, c'est vraiment beau. Et on peut tout faire et copier comme on peut tout copier, mais ça ne pourra jamais égaler ce que Dieu a fait. Il a dit, pourquoi vous inquiétez-vous de quoi nous serons vêtus? Il dit, voyez le lys des champs. Vous vous souvenez? Matthieu chapitre 6. C'est ça, hein? Juste, on lit cela et puis on revient vite pour terminer quand même cela aussi. Puis bon, on tourne un peu dans Matthieu que nous avons lu. Oui, nous avons lu Matthieu. Oui, Matthieu chapitre 6. Voilà. Verset 25, il dit, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? N'est-ce pas vrai? Alors, regardez très bien ici, il dit, je crois que verset 28. Et pourquoi vous inquiétez? Le verset, vous connaissez, on est descendu dessus, non? Je vais seulement courir vite. Et que Dieu me pardonne.
Je vais dire seulement un peu plus vite, pour un peu plus bas ici, pour que vous ne puissiez pas rester longtemps. Vous connaissez, non? Verset 28 dit, mais, et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez, vous entendez? Comment croissent les lys des champs? Ils ne travaillent ni ne filent. Donc Dieu nous montre que c'est lui qui réveille. On parle de travailler, de filer. Beaucoup, non? Alors il dit, mais il ne travaille ni ne file. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'entre eux. Maintenant, il dit, mais si Dieu rêvait ainsi l'herbe des champs, alors vous voyez bien la manière quand vous êtes même dans un champ, les fleurs, les couleurs, les motifs, les ceci, les cela. Tous les hommes ici copient ce qu'il y a dans la nature. L'homme ne peut pas crier, l'homme ne peut que voir que ce qu'il y a dans la nature. Donc Dieu dit que c'est lui qui rêvait, donc qui habille l'herbe de champ. Voyez voir les couleurs commencer. Voyez voir, effectivement, il dit, mais si Dieu rêvait ainsi l'herbe de champ qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Je vous l'avais dit l'autre fois ici, non? J'ai dit, vous n'avez jamais prêté attention. Vous n'aimez pas vous chercher à vous battre pour, oh, je vais être un peu... Frères et sœurs, ce sont les païens qui veulent faire la concurrence entre eux. Aujourd'hui, je mets telle robe pour montrer que j'ai la meilleure par rapport à la voisine ou bien au collègue de travail. Frère, ça, qu'il y ait un tel esprit. Je parle aussi des hommes aussi. Hein? Donc, il faut qu'on puisse avoir tel costume, telle chaussure, tel ceci. Parce que quand je passe, vous vous rendez compte que vous allez dans la maison du Seigneur avec un esprit diabolique dans votre pensée, effectivement, pour montrer les vêtements que vous avez, les chaussures que vous avez, et les sacs en main que vous avez, et tout ce que vous avez fait comme des perles, j'en sais absolument rien. Même si vous mettez des perles, ça va changer quoi chez vous? Voyez-vous, ne vous fâchez pas, mais bon. Parce qu'on sent qu'à ce moment, ça diminue. Parce que quand on commence à toucher ce qui touche aux hommes et aux femmes, alors voyez-vous, la colère commence à devenir, même si on dit « Alléluia, mon voix qu'à l'intérieur, ça s'est fait sur le visage, devient un peu fermé. Il n'y a plus la chaleur qui était là, ah, gloire à Dieu !» Parce que là, on dit « Oh oui, oh frère, il ne faut pas aller trop loin. Seigneur, aide-le à revenir sur notre sujet. » C'est ça un peu le problème que nous avons en fait. C'est que Dieu cherche à pouvoir vous faire comprendre que comment vous pouvez passer par là. Amen, amen. Amen, amen. Sanctifiez les pas. Qu'est-ce que c'est que la vérité? C'est ce que nous entendons. Amen, 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 amen. Parce que si ça c'est complet, tu ne vas pas t'ennuyer. Tu vas aimer. Dis Seigneur, parle encore. Amen. Que je sache les défauts que j'ai. Parce que tu veux plaire à Dieu. Amen. Si ça commence à te déranger quelque part, c'est que ici, ça n'a pas encore été complet. Vous savez pour quelle raison que Dieu nous aide pour le temps? Parce qu'ici, vous savez ce qui s'est passé ici? Quand tu as dit, oh Seigneur, de tout mon cœur, tu as dit de tout ton cœur, je t'accepte que tu prennes ma vie parce qu'elle ne vaut rien, c'est la vie d'un chien, c'est la vie d'une chienne. C'est comme ça que moi j'étais. Donc tu as reconnu d'abord, parce que si tu n'as pas reconnu que tu étais un chien, que tu étais une chienne, c'est que tu ne peux pas bien passer par ici. Vous vous souvenez, je vous ramène quelque chose. Vous dites quoi? Parfois les frères étaient. Non. Jean 8. Il dit, verset 30, il dit aux Juifs qui avaient cru. Parce que les Juifs ont cru, ils m'ont dit, ah, nous croyons. Il se tourne maintenant vers les Juifs qui avaient cru. Il leur dit, si vous demeurez dans ma parole. Vous êtes vraiment... Et qu'est-ce qui va se passer? Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous... s'affranchira. Oui, monsieur. Amen, amen. Parce qu'ici, encore l'esclavage. La chair est encore là. Maintenant qu'ils ont répondu... Ah!
si tu nous traites de qui, nous n'avons jamais été des enfants bâtards illégitimes. Vous savez, l'orgueil, la chair. Nous avons toujours été enfants d'Abraham, parce que c'était d'Abraham, l'orgueil de Dieu. Nous, nous connaissons la foi. Qu'est-ce que tu as dû nous dire? Moi, de toute façon, ça fait déjà 1840 que j'ai accepté le Seigneur comme mon sauveur personnel. Ça, c'est pour les bébés. Et c'est bon pour les bébés. Mais depuis 1840 jusqu'aujourd'hui, regarde bien ta vie. Tu es la personne qui dit, oh, s'ils avaient connu, ils ne seraient jamais comme ça. Vous connaissez Simon? Avec la femme pécheresse, là, la femme du pécheresse Simon. Simon était là. Si cet homme connaissait qui était la femme. Vous connaissez encore? Lui se sentait tellement. C'est comme ça que vous êtes dans la nana. Oh, et si, nous, dans notre temps, dans votre temps, on vous a donné des choses qu'il ne fallait pas, de colloquins de sauvages qui ont fait de vous des idolâtres aujourd'hui. Vous commencez à aimer un homme plus que Dieu. Et vous dites, dans notre temps, quand nous avons reçu le message, il fallait nous voir, mais quel feu vous aviez? Amen. Le feu qui a conduit à l'idolâtrie? Mon frère, et ma soeur, le feu du Saint-Esprit me conduit à Christ, monsieur. Amen. Non, monsieur, pas un autre. Je vous donnerai le consolateur, l'Esprit de vérité. Qu'est-ce qu'il va faire? Il vous conduira dans toute la vérité. Amen. Je suis la vérité. Amen. Amen. Frère, ne jouons plus avec les choses de Dieu. Il ne s'agit pas d'être là pour qu'on puisse te choyer, te supplier pour pouvoir... Non. On ne doit plus perdre ce temps, frère. Il faut que la nature, chaque semence produira selon son espèce. La parole doit être prêchée pour que ceux qui sont de Dieu viennent à Dieu. Amen. Ceux qui sont délivrés, ah bah, sortent effectivement des rangs, parce que quand Dieu est en action quelque part, c'est sûr et certain que bon, il y a quand même une attraction. Mais le Seigneur dit, ne reste pas là. L'attraction, c'est les signes, c'est pour que les gens voient qu'il y a quelque chose et puis ils sont attirés. Et quand les gens sont attirés, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, la parole doit être annoncée. Vous vous souvenez avec le Seigneur? Vous avez encore du temps? Amen. Vous vous souvenez avec lui? Bien sûr. Pendant qu'il avançait, les miracles se faisaient, le 70 encore. Bien sûr que oui. Maintenant, il est arrivé un moment où et les juifs et les disciples, tous ensemble, il a dit une chose. C'est lui qui ne mange ma chair, ni ne boit mon sang. Et puis, il dit, ma chair, j'aime toujours cette parole. Ma chair, il n'a pas dit, vous m'avez comme monsieur, non, il dit, ma chair est vraiment une nourriture. Et mon sang en moi est vraiment un breuvage. Il faut être fort pour tenir. Frère et soeur, vous pensez que marcher avec Dieu, c'est comme si, oh, mais c'est de la facilité, voire dire comme tout le monde. Non, monsieur, ce chemin n'est pas un chemin de masse. Amen. Parce que ceux qui trompent les gens, oh, parce qu'il y a beaucoup de monde, le chemin n'est pas un chemin de masse, c'est individuel. Amen. Le Seigneur n'a pas appelé la masse, non. Il a appelé des individus. C'est pour ça qu'il est toujours exigeant. Il observe effectivement, paf, maintenant il doit éprouver. Si vous ne mangez ma chair, vivez mon sang, ses propres disciples qui ont marché avec lui. Comment ça murmurer? Qu'est-ce qu'on vous disait? C'est de la folie maintenant. Il se prend plus que Moïse, il se prend plus qu'Abraham. Puisqu'il nous dit que si quelqu'un garde ma parole, il ne verra pas la mort, effectivement, vous connaissez cela. Il donne sa chair à pouvoir manger, il n'a rien dit, il dit mais... Et cette parole vous scandalise-t-elle? J'aime Dieu. Amen. Et puis là, je dis, mais mes paroles sont donc esprit et vie. Vous savez, frères et sœurs, l'homme charnel, si longtemps qu'il est charnel, il va tout faire pour que la chair puisse plaire. Il ne pourra même pas saisir les choses spirituelles. Amen. Vous pouvez le prêcher, vous pouvez tout ça. Il sera toujours dans ses émotions, en fait. Mais jamais dans la réalité de la chose. Parce que les choses spirituelles, c'est spirituellement qu'on en juge.
Bon, pour que tu sois spirituel, qu'est-ce qu'il faut? Pour que tu sois spirituel, qu'est-ce qu'il faut? Il a dit à Nicodème, ce qui est cher est cher. Ce qui est esprit est esprit. Vous vous souvenez de la question de notre frère Gislain? Amen, amen, amen. Amen. Vous vous souvenez encore? Amen. Nous avons lu en même temps que la question de notre frère Zélia, je pense aussi. Vous connaissez ce qu'il avait dit, mais donc ceux qui étaient dans le temps ancien là n'étaient pas des. J'ai beaucoup aimé cette partie-là. N'étaient pas des vrais adorateurs. Ils étaient des adorateurs. Mais des vrais adorateurs. Alléluia. Ah, ah. Alléluia. Amen. Alléluia. Oui, messieurs, des vrais adorateurs. Ah, ah. Pourquoi? Parce qu'ils adoraient dans l'ombre. La réalité est en Christ. Amen. Donc nous sommes de vrais Amen. Adorateurs Amen. Parce que nous avons maintenant la réalité. Amen. Alléluia. Dieu est donc esprit. Yeah. Donc si Dieu est esprit, ah ben, ses enfants doivent être aussi. Oui, ah, bien sûr que oui. C'est pour ça qu'il a dit que si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, donc il ne lui appartient, bien sûr que non. Tu peux avoir ton esprit à toi, bien sûr, mais avoir l'esprit de Christ, c'est tout à fait différent. Parce que quand tu as l'esprit de Christ, alors on peut t'appeler chrétien. C'est vrai, non? Pour quelle raison? Il a dit une chose très importante, notre maître. Je reviens encore ici pour rapidement. Il a dit une chose très importante, notre maître, effectivement, dans Jean 14, il dit ceci, mais c'est lui qui croit en moi. Les œuvres que j'ai faites, il les fera. Bon, c'est important, mon frère et ma soeur. Et vous comprenez, ma foi. Quand on lit les Saintes Écritures, on a l'impression que ça appartient simplement à ceci, à cela. Non. Et quand, comme j'ai dit, par exemple, c'est pas dit, mais la Bible dit que à mon nom, ils chasseront les démons. Ils imposeront les mains aux malades. À qui est-ce que le Seigneur s'est adressé? Oh. Au pasteur, aux évangélistes uniquement, aux docteurs, aux prophètes, aux prédicateurs. Non. C'est ça le grand problème. En fait, uniquement aux frères. Non. Parce que c'est parce que ce qu'on fait des catégorisations dans notre esprit. Parce qu'il a dit, voici, c'est écrit, hein, les miracles qui accompagneront les pasteurs, les docteurs, hein, les prophètes, les apôtres, et uniquement les frères. Quand vous dites non, il faut le dire sincèrement. Il a bien dit, voici, je me demande, oh frère, il faut une révélation. Quelle révélation veux-tu que nous puissions avoir sur ce qu'il a si parlé clairement? C'est parfois, on se pose la question parce qu'on cherche tout. Ah, il faut dire, mais ici c'est écrit, dit, mais voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Vous voulez que je vous rappelle quoi? Toi, tu as cru? Oui, frère. Eh bien, c'est pour toi. Amen. 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 Oui. Et puis là, il a dit, mais celui qui croit en moi, le œuvre que je fais, il le fera aussi. Ce n'est pas réservé aux prophètes ni aux apôtres, mais à tout un chacun. Amen. Alléluia. Amen. Oui, monsieur. Amen. Pourquoi, monsieur? Parce que l'esprit de Christ, c'est Christ en toi. Amen. Amen. Eh oui. Que vous soyez silencieux, c'est bien. Mais frère, mais c'est parce que vous ne comprenez pas. Amen, amen. Le Saint-Esprit. C'est la vie de Jésus-Christ, notre Seigneur, qui revient. D'ailleurs, je vais vous poser la question. Les jours de la Pentecôte, ils étaient simplement 120 frères.
Mais je sais pas. Parce que Dieu a écarté les sœurs, il dit, écartez-vous, écartez-vous. Rien que les frères qui sont là, je remplis tout là-dedans. Qu'est-ce que l'Écriture nous dit? Même Marie était là. On nous dit bien, les femmes, donc les sœurs étaient là et Marie. Donc, écoutez très bien, s'il vous plaît. Le même Saint-Esprit, avec la même puissance, est descendu sur les femmes comme sur les frères. Alléluia! Bien sûr, monsieur. Bien sûr, madame. Alléluia! Bien sûr, monsieur. C'est le même Seigneur dans ma soeur et dans mon frère. Parce qu'en qui nous sommes, il n'y a ni homme, ni... Merci, monsieur. Pour quelle raison dit-on cela? Parce qu'avec l'Esprit de Christ, nous formons le corps de Christ. Amen. Amen. Alléluia. Ah, que Dieu nous aide. Qu'il nous accorde le soutien dont nous avons tellement besoin. Amen. Il est temps qui court, parce que je sais que vous devez donc partir. Mon grand amour, il s'est petit un petit peu. Autre chose là, c'est oublié peut-être frère Jacques, un peu, un petit peu, parce que vous n'avez pas chaud, peut-être c'est moi-même. Ah, non, 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 restez, je crois que c'est les lampes qui sont... Bon, de temps en temps, ça fait du bien. Ils sont très gentils d'avoir pensé. Donc, nous réalisons qu'effectivement, qu'il faut que cette partie ici, la justification, soit complète. Et quand elle est complète... C'est à ce moment-là que toi, au plus profond de toi-même, je veux que vous saisissiez cela, mon frère. Tu ne désires plus être comme tu es. Tu désires être comme lui veut que tu sois. Vous voulez un exemple? Vous voulez l'exemple? L'unique Éthiopien. Alléluia. Amen, amen. Cet homme lisait les Écritures, effectivement. Voilà. Il lisait, mais ça brûlait, ne comprenait pas. Dieu aime les hommes sincères. Voilà qui prend Philippe, effectivement, il envoie là sur le chemin. Il explique bien tel thème. Dieu est bon, hein. Et il voit le monsieur. C'était un croyant qui venait de pouvoir des choses de l'homme qui rentrait là-bas. Il a fait son chemin parce qu'il voulait aller adorer Dieu. C'est ça. Il lisait les Écritures. C'est pour ça que Philippe lui dit, mais est-ce que tu comprends ce que tu lis? Il dit, mais si quelqu'un ne me l'explique, comment pourrais-je comprendre? Déjà, c'était un signe de simplicité. On veut dire, mais oui, mais qu'est-ce que tu veux me dire? Moi, je connais, je viens de l'école des rabbins, de ceci et de cela. Je connais, qu'est-ce que tu veux m'apprendre d'abord? Qui es-tu donc? D'où viens-tu d'abord? Non, monsieur. Il y a des signes qui témoignent qu'on est un fils de Dieu. La manière dont on réagit, en fait. Vous savez, il y a l'humilité véritable que Dieu donne à quelqu'un, et l'humilité fabriquée que vous vous faites. Quand c'est vraiment Dieu qui l'a fait, c'est qu'il a ôté quelque chose à l'intérieur. C'est le travail de l'or. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec... passion et ses désirs. C'était qui dans Galates, hein? Chapitre 5. Là, il lisait, il dit, mais c'est aussi qu'il l'invita à s'asseoir avec sur le char. Et puis il dit, mais de qui les prophètes parlent-ils ainsi? Il disait donc les bruits des chers, je pense, dans les années. Et là-bas, il dit, mais là, Philippe commença par les Écritures. Pas par autre chose. Non. Oh, alléluia. Par toujours les Écritures. C'est pour ça que on pouvait dire dans le livre, on dit, mais que disent donc les saintes Écritures? Que disent donc les saintes? Ah. Alors, il vous commence à... Et au travers de cette écriture, il lui montra effectivement qui était et comment se sont passés effectivement jusqu'à lui montrer que c'est ce Jésus-là dont on a eu à pouvoir annoncer effectivement, il s'agit de lui. Donc cet homme écoutait avec attention quand on lui a parlé de l'accomplissement de ces écritures en Jésus-Christ notre Seigneur, il y a eu une explosion.
Et les chars continuaient. Et Philippe parlait, mais l'homme était déjà convaincu. Amen. C'est ça, c'est ça. Amen. Être convaincu. Amen. 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 Et tu dis, mais je suis. Il y a Philippe parlait, mais l'homme était déjà convaincu. Amen. C'est l'âme qui dit à Philippe. Amen. Il dit, si, aïe, 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 dit, mais voici donc de l'eau. Alléluia, alléluia. Philippe n'a pas dit, il faut que tu sois de l'eau pour te baptiser. Non. Lui-même, lui-même. Il dit, voici donc de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé? Gloire à Dieu. Ça vient du cri du cœur. Oui, ça, c'est important. Ça vient du cri du cœur de la personne. Parce qu'il s'est senti concerné, monsieur. Il dit, mais là, c'est moi. Amen. Il n'a pas entendu dire, je vais poser la question à X. Non. Alléluia. Là, c'est Dieu qui l'a rencontré. Okay. Il parlait avec lui. La même chose que Saül sur l'effectivement des tasses. Sur le chemin. Quand il a dit, mais qui es-tu, Seigneur? Il n'a pas dit, je vais voir le rabbin. Je vais voir. Non. Sur place. Amen. L'homme a été convaincu, monsieur. Amen. Oui. Amen. Amen. Oui, monsieur. Et toi? Parce que c'est à ce moment-là, en fait, tu m'as dit, en tout cas, Seigneur, je dois, ça c'est important. Je vais quoi? Je vais mourir. Amen. Cela que le baptême devient important pour toi. Mais si tu meurs, il faut que tu ressuscites. Mais c'est sûr et certain, ça. C'est pour ça que quand l'adorateur allait adorer, il amenait l'agneau, vous savez, quand on tuait cet agneau, donc la vie de l'animal, en principe, était censé pouvoir revenir sur l'adorateur parce que pour qu'il obtienne effectivement le pardon. Parce que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. C'est toi qui as péché, donc ton sang doit couler. Mais tu es allé prendre un innocent pour mourir pour toi. Est-ce que vous suivez, frère? Amen. On prenait un agneau innocent pour mourir à ta place. Est-ce que vous comprenez cet échange-là, d'abord, comment Dieu en fait? Tu dis qu'un innocent. Or, un innocent ne doit pas mourir. Mais c'est toi qui as péché. C'est toi qui dois mourir. Je veux que nous rentrions un tout petit peu pour que vous puissiez comprendre, parfois quand on passe vite. En fait, la personne qui doit mourir pour Dieu, c'est le coupable. Dieu ne peut pas faire mourir un innocent. Il est bon. Sinon, il ne peut pas faire mourir un innocent. Il doit faire mourir le coupable. Oh, Dieu est grand. C'est pour ça que vous devez comprendre, je parle assez longtemps, que Jésus le Christ, notre Seigneur, a fait l'échange. Mm-hmm. Lui, innocent, pour qu'il puisse mourir, il fallait qu'il prenne son innocence, les passer à toi. Que lui maintenant prenne ta culpabilité sur lui. Autrement, il ne pouvait pas mourir. C'est pour ça qu'on dit que nous sommes justifiés par la foi en Jésus-Christ. La justification veut dire c'est comme si tu n'as jamais. Donc tu es. Et donc, un innocent est mort à ta place, à toi. Il n'a jamais rien fait. Oh, Dieu est grand. Mais à cause simplement du grand amour. Non. Frères et sœurs, non. C'est pour ça que dans les jardins de Gethsémani, il disait, si cela était possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux.
Vous vous rendez compte, frère, que c'est que Dieu est miséricorde de nous, en fait. C'est pour ça que je dis, vous n'arrivez pas à apprécier la grandeur et la valeur de ce que Christ notre Seigneur a fait. Vous jouez beaucoup la comédie. Je l'aime, je l'aime. Vous savez, je vais vous dire vraiment la vérité. C'est cantique ici sur la fin dit, je l'aime, je n'ai jamais arrivé à pouvoir le chanter jusqu'à la fin. Moi ici, oui, je vous dis la vérité, Dieu m'est témoin. Et ce n'est pas d'aujourd'hui, depuis toujours, parce que je me suis posé la question, non, que Dieu ait pitié. Frère, je ne sais pas, je ne sais pas, je sais vraiment, c'est moi, c'est moi. Parce que vous devez bien, on doit bien réfléchir, mon frère. Et c'est poser la question vraiment, parce que ce que le Seigneur a fait pour toi et pour moi, non. Je crois que, je ne sais pas à quel moment nous pouvons arriver à pouvoir apprécier et réaliser. Les jours où nous réaliserons cela, nous cesserons d'être des comédiens. Parce que vous le savez, on joue trop la comédie. Dans ceci, même quand on chante, comme on se l'habille, on laisse ses mains, nos émotions, l'onction, la musique. En fait, vous n'entrez pas dans la chose. Vous ne vous sentez pas vraiment concerné, qui est vraiment vrai, parce que le jour où vous réaliserez évidemment ce que Christ a fait pour vous, vous n'aimerez plus jamais quelqu'un d'autre plus que lui. Vous ne vous battrez plus jamais pour les hommes. Vous vous battrez seulement pour un seul. C'est lui-là qui a payé pour toi. C'est parce qu'on a, on n'a vraiment pas réalisé ce qu'il a fait pour toi, mon frère, ni pour moi-même. Ces hommes-là qui ont pu arriver à pouvoir réaliser ce que Christ a fait pour eux dans leur vie, ils ne pouvaient plus jamais plus vivre pour eux-mêmes. Regardez-vous. Vous battez avec celui-ci, vous bavez celui-là, vous insultez celui-ci, vous insultez celui-là, ceci et cela. En fait, je pense que si réellement Christ est en nous, on ne s'occupera plus de quelqu'un d'autre. Si ce n'est que de nous-mêmes, pour plaire à Christ, en fait. Il n'y aura pas de combat entre frères. Peu importe ce que le frère peut me dire, qu'il m'insulte, qu'il me critique, qu'il parle de moi, qu'il me donne toutes les idées possibles, il n'y a pas de problème pour moi. Parce que moi, je compris. D'ailleurs, si quelqu'un m'insulte, me traite de tous les noms, mais il a raison. Mais c'est vrai. Je suis un homme, vous savez, c'est la vérité. D'où je viens, moi, j'étais un chien. Donc, toutes les insultes, ça claque bien. Mais vrai, donc, c'est vrai. Tu es ceci, tu es cela, tu te prends pour ceci. Oui, c'est ce que j'étais. Donc, tu insultes bien la personne qui vaut. Et ça peut te faire du bien. Il n'y a pas de problème. C'est cela, effectivement. Et c'est vrai, mon frère et ma soeur. Pourquoi je dois courir après quelqu'un qui m'a insulté? Il a raison de m'insulter. Vous savez, je vais vous montrer quelque chose dans les Saintes Écritures. Peut-être que je vais m'arrêter là. Que Dieu te bénisse. Les autres sont déjà fatigués, pressés, ils doivent rentrer à la maison. Vous savez, quand David fouillait, il y en avait un qui a commencé à pouvoir l'insulter. Vous connaissez cela, non? Insulter un homme selon le cœur de Dieu. Peu importe ce que David avait fait. Mais Dieu n'a jamais rejeté David. Jamais. Jamais. C'est pas toi qui vas commencer à porter les jugements sur David. Je parle David. Hein. Sinon, on va dire, ah, non, non. Mais regardez bien, il est vraiment sorti. On a commencé à le pourchasser, effectivement. Et puis, il y en a un de la fille, je crois que c'est Chimé, la fille de la famille de Saül, de son de Saül, il a commencé à l'insulter. Hey, tu as pris le trône de mon père, j'étais même des pieds. Tu es maintenant maudit, tu t'en vas, effectivement. Et puis, Joab, qui était à côté, donc, il prend l'épée, il dit, mais il faut que je coupe les chaînes. Il dit, oh! Un homme de Dieu, vous savez, et ça, je vous l'ai dit, c'est vrai, ne jouez jamais avec lui. Vous savez, vous pouvez faire des choses, mais quand c'est un oint de Dieu, ne faites jamais l'erreur, ni de l'insulter, ni de le critiquer, parce que Dieu ne vous laissera pas.
Il a toujours dit, ne touchez pas à mes oies. Il ne va pas vous laisser. Avec Dieu. Mais vous savez ce que David a dit? Il dit non, laissez-le, ce que c'est Dieu qui lui a permis. C'est que cet homme est spirituel. Il savait effectivement que ce qui se passait effectivement. Voyez-vous, je crois que je voulais donner aussi un exemple. Mais regardez par exemple, cet homme ici, Jacob, il était aveugle. Son fils Joseph, il vient avec ses enfants. Il met les nez à la main droite et les seconds à la main gauche. Pour que le père puisse bénir avec la puissance d'autorité ici. Il place bien et son père était aveugle. Il savait bien, mais qui sont ces enfants? Il dit, c'est celui-ci, c'est ça. Il dit, bon, il prend la main de papa, donc la main se pose là et puis l'autre main ici. Et puis il dit, mais papa maintenant béni parce que celui-ci c'est l'aîné, l'autre là c'est le second. Et papa était aveugle. Il regarde son père qui soulève la main droite. Amen. Du fils aîné. Parce que comme ça qu'on bénit l'aîné sur la main droite. Il soulève sa main droite du fils aîné, il la place sur le second. Amen. Sa main gauche, il la place sur l'autre. Alléluia. 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 Aveugle, s'il vous plaît. Oh, amen. Joseph crie, père, pas comme ça. Amen. Tu as fait une erreur, père. Parce que tu as fait, je vais te montrer comment faire. Tu as fait une erreur, père. Chaque homme tellement si calme. Il dit, fils, je le sais. Alléluia. Oh frère, gloire à Dieu. Ah oui, mon frère et ma soeur. Dieu sait ce qu'il fait. Amen. Mais quand vous touchez un oin, n'oubliez pas ce que vous entendez, vous le payerez. Avec Dieu, il va te laisser le temps comme si tu remarques effectivement que rien ne se passe. Je termine par là. Vous vous souvenez des Amalécites? Lorsque le peuple de Dieu passait son chemin, ils ont même proposé, mais on peut même acheter et vendre. Dit, non, vous ne passerez pas par ici. Dieu dit, bon, détournez le chemin. Les années ont passé, oh, nous avons chassé, nous avons fait, nous avons. Et puis, vous ne pouvez pas passer ici, que nous avons Dieu, effectivement, on les a prouvés que moi, quand j'ai dit, ils sont passés. Et Dieu ne disait rien. Mais le temps est arrivé où Dieu dit, je me souviens de ce que Amalek fit donc à Israël, mon peuple. Maintenant, lève-toi, toi, Saül, avec l'armée. Allez-y là chez les Amalécites. Donc il dit, quand tu vas arriver là-bas, n'épargne ni bœuf, ni brebis, ni roi, ni rien, même pas un bébé qui est encore à la mamelle. Nourrisson, hein. Il dit, tu couperas les nourrissons par l'épée, tu détruiras tout du laissement. Oui, Dieu, quand la colère de Dieu s'enflamme, au temps de la colère, messieurs, personne ne peut le stopper. Nous devons connaître le Dieu que nous servons. Que Dieu vous bénisse. Lève-nous, nous allons prier. Mon Dieu est si bon, il prend bien soin de moi. Ce Dieu si fidèle, sais-tu qui pense à toi? See.
peur.